Allez, on continue les quêtes annexes. Ah, mais il reste plus grand chose là. Celle-là, on la fera pas. Donc, il reste plus que. On la fera pas de suite. Parce que c'est en rapport avec le donjon aux 100 étages. Du coup, on va faire ces 3 là, on va s'arrêter là. Celle-là, je. Ouais, vas-y, hop. J'aimerais bien pouvoir parler un peu à quelqu'un. Je t'attendrai dans une maison à la façade rose dans le village de Carafleur. Bon courage! Non, du coup, c'est là. Changement rapide ne demandait que 4. Ouais, il demande 4. Par contre, le Econome Fleur demandait beaucoup plus. Il demandait 6, mais ça marchait sur les deux. Donc, ouais, je pense qu'ils ont fait un petit peu de rééquilibrage en vrai. Ok. Alors, il faut aller chez le patriarche. Oula. C'est que 4 PB sur les 30 max. Ouais, c'est vrai. Oh, mon cher marteau, tu me rends visite comme je te l'ai demandé. En fait, j'ai personne à qui parler, alors je déprime un peu. C'est gentil de passer, fais comme chez toi. Ah là là, les jeunes d'aujourd'hui, qui a la patience, là. L'autre fois, je vais faire des achats à la boutique des frères Todd. Avant que je puisse payer, un jeune qui faisait la queue se tourne vers moi. Et il me dit, groute-toi pépé, on va pas y passer la nuit. D'accord, je suis un vieux, mais j'avais pas passé la nuit, ça non. Oh, la nuit, ça me fait penser à des premiers rendez-vous avec mémé. Et tu es toujours rentré avant la nuit, et t'es belle comme un soleil. Enfin, ça, j'étais plus moi-même. Nom d'une carapace quand j'y repense. Mais pardon, je m'égare, qu'est-ce que je disais? Ah oui, les jeunes ne savent plus prendre leur mal en patience, là. Putain, ça va être, il vivait peut-être à Paris, c'est pour ça que les jeunes sont pressés. Hein. La patience, l'endurance sont des choses très importantes à apprendre. Tiens, moi, par exemple, mon plus grand fut un cri d'amour. Mémé était dans un train, elle partait en voyage, j'ai crié mon amour. Hein? J'ai crié quoi, déjà? Oh, j'ai encore perdu le fil. Je disais donc que mémé et moi, ça a été le grand amour. Non, je disais que les jeunes... Bah, peu importe. Mais pourquoi m'as-tu laissé? Je suis tout seul. Oh, pardon, je me laisse aller, c'est comme ça. Excuse-moi, quand je commence à parler, je m'arrête plus. J'étais ravi de communiquer avec un jeune. Oh, j'ai complètement oublié de te proposer à boire. Pardon, je suis désolé pour m'excuser, je t'offre cette feuille. Ok. Fais été délicieux avec des feuilles coupa. A bientôt, reviens voir si t'as envie d'écouter les histoires. Ok, ça c'est fait. En vrai, ça a pris moins de temps que prévu. Je pense que je peux commencer le chapitre 3 ce soir. Donc je suis assez content en vrai. Allez, plus que 2 requêtes pour aujourd'hui. Besoin d'un champivir. Je suis bien vieille, j'aimerais que tu m'apportes un champivir au cas où. Ma requête ne presse pas vraiment, c'est juste pour en avoir un en cas de besoin. Tu trouves pas à l'intérieur d'un grand arbre si tu bois ça solide. Yes. Bon courage. Allez, c'est reparti! Non, on fait des allers-retours. Hein. Et bien plus pote. Potent? Quoi? Potent? Mais oui, je sais qu'on peut faire un tekupa avec la feuille. Allez.
Wait, attends, avant que j'aille là... Ouais, non, en fait, on s'en fout. Alors... Et voilà, grand-mère est repartie dans le sermon, ça a duré. Ah, je vois, c'est toi qui as répondu à l'annonce, Mariole. Je suis déjà très vieille, je voudrais un champi-vi pour les cas d'urgence. Hop, tiens. C'est bien, champi-vi, tu as réussi à arriver juste à temps. Rien qu'à devoir essayer avec ce champi, je me sens toute ragaillée. Eh, je vais pas m'étendre de sitôt. Merci, Mariole, prends donc ceci en rémunération. Oh! Oh non, sa récompense a été nerf! Normalement, elle donne 64 pièces, allez, pour dire, regardez, ça a une taille 64. Là, non, c'est passé à 50. Bouh, grand frère se fait toujours gronder, quelle barbe. Didi, tu veux bien t'amuser avec moi? Allez. Super, alors on va jouer aux devinettes. Pose-moi une devinette, Mario, je suis incollable. Posez une devinette pas trop dure à Punita. Alors, quelle est la personne que Mario aime le moins? Je sais pas pourquoi Saturne. Hein? C'est quoi ça? Je comprends rien à ta question. Quelle barbe, je joue plus. Tiens, ok, ça marche plus. Ça marche pas, ça. Donc, quelle est la personne que Mario aime le plus? Quelle est la personne que Mario aime le plus? Je sais, je sais. Mario aime la princesse Peach plus que n'importe qui. Alors, j'ai bon? Gagné. Je suis vraiment incollable. C'était très sympa en remerciement. Tiens, je te donne ça. Un drôle d'œuf. Tu aurais dû t'amuser avec moi, hein? Ouais, peut-être. Ok. Ah oui, il y a l'autre là, putain, mais lui, je vais jamais le faire, je pense. Hein. Tu proposes toujours la même chose, toi? Ouais, toi, tu proposes les mêmes items. Hein. Je sais pas comment j'ai fait pour rater celui-là. Là. Putain, on le voit en plus, hein. Ah là, c'est bon, là je les ai tous pour l'instant. Enfin, du coup, avec le tuyau 2 accessible très vite, c'est vraiment cool pour éviter les ennemis à chaque fois. Alors, j'ai quand même des items au fait sur moi. 14! Oh putain! Je vais peut-être en dégager certains en vrai. Allez, allez. Allez, dernière requête.
et ensuite on sera bon. Viens t'amuser. Le casino Pianteone est ouvert. La jolie Bonnie se réserve un cadeau surprise à ceux qui répondent à cette requête. Je t'attendrai dans le casino du quartier ouest de Port-la-Canaille. Let's go. Voilà, et je pense que c'est bon pour l'instant. On va avancer doucement vers le chapitre 3. Ouais, mais ça, faut attendre le chapitre 4. Sans vous inquiéter, on va pas s'inquiéter. Il y aura encore des trucs à faire de toute façon. Vas-y, dépose un objet. En vrai, tu sais quoi On va dégager ça. Hein. J'ai jamais les utilisé, je pense. Voilà. Bah, j'ai deux ingrédients, autant en profiter. Mets-toi à l'aise et fais comme chez toi, tu veux que je te prépare un bon petit plat? Allez! Et donc la feuille Koopa devient T Koopa et ça passe de 3 à 7 PF. Ce qui est pas mal, en vrai. Et là, j'ai utilisé le drôle d'œuf. Et ça donne 10 PC, ce qui est pas mal. Voilà. C'est bien pour l'instant. Alors du coup, Goumeli nous a demandé... nous a conseillé de glaner des informations au quartier ouest. Donc voyons. Ah, on est bien. J'aime bien cet endroit, c'est le seul qui m'apaise dans cette ville. Je pense que ça va pas aider en vrai. J'adore aller au théâtre. Pour moi qui vis dans cette ville miteuse, la scène revêt un éclat tout particulier. Mais en ce moment, Madame Cumulia, ma comédienne préférée, ne joue plus. C'est vraiment dur pour ses fans. Tiens, vas-y, regarde Cumulia là. Oh, Madame Cumulia! Waouh, je suis une de mes plus grands fans! Quelle chance de vous rencontrer ici! Oh là, il est content. Le patron m'a... ok. Oh, pardon. J'ai pas l'impression qu'on aura grand chose ici. Salut, ça va? Quoi, tu cherches Pierre Théoné? Je cherche ma feu de la ville? Eh ben, ça t'intéresserait, c'est au milieu du crime de Port-la-Canaille. Va voir Limaçon dans le quartier Est. Ok, c'est lui qui donne l'indice, du coup. Bonjour! Ouah, tu as vu ma requête? Merci de venir. Eh ben, vas-y, amuse-toi. Personne n'en sent rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Ne t'inquiète pas, nous sommes dans un casino. Joue autant que tu veux et tâche de gagner. Et hop. On peut passer à travers le comptoir. Oh là là, tu as pas le droit d'entrer ici. Quoi, tu veux que je te parle de moi? Je suis la boue en charge du casino. Salut Boudi. Ah bah tiens, on parle de boue, y'a Boudi. Bref, je sais tout sur cet endroit, alors si tu as des questions, n'hésite pas. Que je t'utilise des choses plus personnelles? Bon, soit. J'ai 18 ans, j'aime les champignons et le reste est secret. Si tu as un super résultat dans les mini-jeux, je t'en dirai un peu plus. Okay. D'ailleurs, dans la version japonaise de Paper Mario Gamecube, c'est bon, des oreilles de lapin à la place des oreilles de chat, du coup. Oh Mario, cette carte, tu as reçu une carte de membre. Je vais te dire à quel mini-jeu cette carte donne le droit de jouer. Le mode avion. Ah, ça a été facile. Alors, changer mes points. Le jeu était plus petit que tu as gagné contre les lots. Certains ces lots ne se trouvent nulle part qu'à ici. Pas mal, hein. Effectivement. Oh la vache, 150. La poudre à gâteau risque d'être intéressante, mais on va faire le mode avion là déjà. Alors le jeu du mode avion, ce jeu consiste à te changer en avion de papier et voler le plus loin possible. Plus tu voleras loin, plus tu gagneras le Pianti. Sur ta la plateforme mobile, tu gagnes un bonus. Mais attention, si tu atterris sur une plateforme malus, tu perdras des Pianti.
Il faut payer 10 pierres pour pouvoir jouer. Est-ce que ça te convient? Ok. Parfait. Par ici, s'il te plaît. A plus tard. Alors, je sais plus combien il faut pour remporter le mini-jeu. Je sais plus. Ah merde. Je vais même pas regarder. Let's go! Dommage. J'en ai raté une. Pièces. Ah ouais, nouveau record. Ah, et on peut continuer direct. Ok, voilà, bon, c'était histoire de le faire, hein, voilà. Bravo, tu as bien joué, mais n'oublie pas que tu as toujours les délivrés Peach. Alors, jeu en mode avion. Ok, et maintenant, vu que j'ai fait un super record, est-ce qu'elle m'en dira plus? Oh là là, tu as pas le droit d'entrer ici! Quoi, tu as obtenu un super résultat dans les mini-jeux? Bon, et bah alors, Bonnie qui travaille dans la boutique à côté, ma soeur, nous entendons bien. Nous sommes souvent les boutiques ensemble les jours de congé. Bonnie aime beaucoup les accessoires, moi j'aime pas trop ça. J'aurais peut-être à faire un effort, moi aussi, pour être un peu plus à la mode. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Si tu obtiens un autre super résultat de mini-jeu, je t'en dirai plus. Ok. Alors du coup, là, on peut acheter des Pianti. Bonjour Mario, je suis Don Pianti, la machine chargée du change. Tu peux échanger 3 pièces contre un Pianti. Combien en veux-tu? Oh, ça, c'est nouveau, ça. Allez, 5. Un, deux, et hop, voilà qui est fait. Merci beaucoup, à la prochaine. Et là, on peut jouer au casino. Jackpot fastoche, remporter avec talent et empocher les Pianti, pas cher et rigolo. Ok. Plus 2, plus 4, plus 6. Et là, jouer avec talent et rempocher les Pianti, dur mais rentable. Oh. 1, 2... Un, deux. Dommage. Ok. Ok, je crois qu'avant c'était vraiment deux similaires. Mais là maintenant ça a l'air d'être vraiment les... Ça a l'air vraiment d'être deux... deux différents. C'est intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est le même mini-jeu que dans Mario Bros 3. T'as raison. Bon, bah allons voir Limaçon. Limaçon qui se trouve ici. Et d'ailleurs, petit secret. Hop là. Ça alors, vous avez trouvé l'entrée secrète? Nous recevons beaucoup de requêtes bizarres. Surtout, ne dites à personne que c'est nous qui tenons l'agence d'entraide, d'accord? Ok. Ça sert à rien, mais voilà. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Tu es ici dans le repère de Limaçon. Que viens-tu faire ici? Quoi? Tu veux que je t'explique comment rencontrer cet escroc de Pierre Théonner? À cause de lui, mon gang de voleurs est sur la paille, c'est quand même un comble. Tu es au courant? Pierre Théonner essaie de nous racketter, nous aussi. Tu veux que je te dise comment le rencontrer? D'accord, ça te coûtera 64 pièces. Pas une de moins, les informations secrètes sont toujours très chères. Alors, je sais comment le faire. Mais pour le let's play, je vais payer, voilà. Tu es sûr?
Merci, j'ai pris les 64 pièces. Oh bon, écoute-moi bien. Dans la boutique du quartier ouest, à côté du casino Pium Théoné, achète un champi séché puis un assomme cadran. Fais attention à les acheter dans cet ordre-là. D'abord le champi séché puis l'assomme cadran. La gérante du magasin te demandera alors quelle est votre couleur préférée. Et tu devras répondre jaune. Ce mot de passe te donnera accès au bureau de la mafia. Tu as compris? Ouais. Ok, et bah c'est parti. Du coup, Goumeli, elle m'aide. Qu'est-ce que c'était déjà? Ouais, ouais. Du coup, elle me permet de répéter, ça c'est cool. Hop là! On va pouvoir aller voir Pium Théoné. La ref au chapitre 2 du premier jeu. Ah ouais? Quelle ref? Alors... Champi séché. Au fait, cher client, de quelle couleur est votre moustache? Bah, noire. Je me suis trompé de question. Je recommence. Au fait, cher client, quelle est votre couleur préférée? Bah, c'est jaune. Le mot de passe est correct. Vous avez une connaissance de Monsieur Pium Théoné? Je vous ai ouvert la porte, vous pouvez passer. Acheter les objets. Ah oui, c'est vrai! Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai que c'était dans le chapitre 2 aussi. Ouais, c'est la Mustapha. Tu es dans le bureau de la famille Pium Théoné, tu ne peux pas l'ignorer. On n'aime pas du tout les intrus ici. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai pas envie de rigoler. Un mot de travers et je te fais couler des bottes en béton, compris? Quoi? Tu veux habiller d'aéronef? Oh oh! Tu oses se présenter devant le grand Pium Théoné pour lui réclamer un billet d'aéronef? Non mais quel culot! Tu vas goûter l'eau du port, on va te couler des bottes en béton! Attendez un peu. Il a des tripes ce petit, laissez-le s'expliquer. On pourra toujours voir après pour les bottes. Alors peux-tu m'expliquer pourquoi tu as besoin d'un billet d'aéronef? Quoi? Tu veux délivrer une jeune femme qu'on t'a enlevée? Et tu as rassemblé les jeunes étoiles pour pouvoir la délivrer? Les jeunes étoiles? Les jeunes étoiles dont parle la légende du trésor de la ville? Bah voyons, et tu penses qu'on va croire tes salades? Quelle salade? Le trésor existe vraiment? Peu importe que le trésor existe ou non. Vous me plaisez si vous voulez délivrer une femme. Un point, c'est tout. Faites ce que je vous dis et vous aurez votre billet d'aéronef. Que devons-nous faire? C'est très simple. Voilà, ma fille s'est enfuie avec mon bras droit. Mais ils viennent juste de partir, ils doivent encore être quelque part dans la ville. Je veux que tu retrouves ma fille Monica et son lieutenant Python. Si tu ne parviens pas à me les ramener, viens juste me dire où ils sont. Si tu remplis ton contrat, je tiendrai ma promesse. Mais patron! Vous ne pouvez pas confier ce genre de mission à de parfaits inconnus! C'est vrai, laissez-nous retrouver votre fille! Silence! C'est parce que je sais que vous ne la trouverez pas que je sollicite des inconnus. Alors épargnez-moi moins vos commentaires. Pardon, patron! Veuillez accepter toutes vos excuses! Ça va, ça va. Bien, retrouvez ma fille. Voici les portraits de Monica et de Python. Et souvenez-vous, je vous fais couler des bottes en béton si vous ne les retrouvez pas. Ok! Ah oui, d'ailleurs, on a bientôt un champignon gratuit, là, je crois. Mais bon, je suis un peu full au niveau des objets. Alors, papa, je sais où sont Monica et Python, on va les chercher de suite.
100%, il y a encore beaucoup de choses à faire, hein, mais bon, on a à peine commencé l'aventure, donc voilà. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est mon père qui nous envoie nous vous chercher. Qu'est-ce qu'on fait, Python? Il nous a découvert. Mais le bateau ne va pas tarder. Mlle Monica, retourne au parc calmement avec le patron, c'est mieux. Oh, la musique! Tu es fou, Python, il te pardonnera jamais. Mais si, nous lui expliquerons les choses, il comprendra. Mais Python, alors, tu ne m'aimes pas? Bien sûr que si, je t'aime plus que tout au monde. Si tu m'aimes, fuyons jusqu'au bout du monde. Fuir ne sert plus à rien, maintenant que notre secret a été découvert. Je m'en fiche, l'amour ne se nourrit de tous les obstacles qu'il rencontre. Personne ne pourra m'empêcher de t'épouser, personne. Dis-moi, accepterais-tu de dire que tu ne nous as pas trouvé? Merci beaucoup, tu es vraiment quelqu'un de bien. Merci. Ouais, bah en vrai, je vais juste vous capter, hein, et puis merde. Qu'est-ce qu'on fait, Mario? On doit retourner voir Piantéone. Mais je crains vraiment ces représailles. Eh ouais, c'est le choix moral. C'est soit je brise un couple, soit j'ai habillé. Mais bon, qu'est-ce que je ferais pas pour habiller après tout? Tac. C'est bon, on est quasiment au chapitre 3 là. Tiens, c'est toi? Alors, sais-tu où il se cache? Ouais! Sur le port, tu dis? Merci, je vais comme promis te donner ton billet d'aéronef. Allez, vous autres, ils sont sur le port, allez les cueillir. Attends! Monica! Pas trop, pardonnez-nous! Python, tu oses remettre les pieds ici? S'il te plaît, ne punis pas Python, tout est ma faute. Et celui qui m'a convaincu de rentrer te parler. Pas trop, faites de moi ce que vous voudrez. Et pardonnez à Mlle Monica. Papa, c'est moi la responsable! Si on peut dire quelqu'un, punis-moi, mais pas lui. Pas trop, tout est de ma faute. Papa! Pas trop! Assez! Taisez-vous, tous les deux! Monica, j'ignore ce que j'ai fait pour une fille comme toi. Quant à toi, Python, tu as trompé toute la confiance que j'avais en toi. Tu mérites la plus exemplaire des punitions. Papa! Patron! Je ne veux plus vous voir. Partez d'ici et en vitesse. Pour qui vous prenez-vous? Allez-vous-en! Mariez-vous, faites ce que vous voulez, je m'en moque. Papa! Papa! Patron! Merci papa de nous pardonner. Patron, je saurai rendre votre fille heureuse. Débarrassez-moi le plancher. Oh. Soyez heureuse, mademoiselle. Bien joué, chef. C'était un poil mélodramatique, mais tout est bien qui finit bien, pas vrai? Au revoir, papa, et merci. Tout s'arrange, c'est grâce à toi. Le patron est très énervé, mais ça va passer. Mais en fait, tu voulais pas récupérer un billet d'aéronef, toi? Ouais, ouais. Tu es encore là? Merci d'avoir retrouvé ma fille. On peut pas dire que c'est servi à grand chose, mais bon. Une promesse est une promesse, voici ton billet d'aéronef. Let's go! Ah, et ces mines réjouies qu'ils avaient. Heureusement que vous étiez là pour les trouver, merci. Bon, partez maintenant, j'ai les émotions intenses à digérer, moi. Voilà, on peut se diriger vers le chapitre 3. Après 1h30, on a réussi, Mario. Partons vite pour Yunnanville. Allez.